sanga bololo e komi sanga ekeko pasiele ki bandeko sia na zongi shebisa Congo France wake up Nous sommes là bango la bisso nous sommes là bango e kara molai France.com site ya solo masola dans masola du toko Congo France.com. Magique, le miracle en lunettes. Awatouza Sinikoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Nikoki. Motumoso soupe à Otozoni car à tous les trois pots et celle qui. Oyo, ils ont vraiment naturel. Il y a bisous robin la grosse oblon, a bisous en bon kaboki maman qui est au quater réseau dedans. En tout cas, et ça la conséquence des. Awatouza, elle est congolaise, elle a souvent des autres appels. Si tu n'as pas le temps, faut te déplacer. Vous aussi, vous faites confiance parce que vous savez, mes produits, ça marche très bien. À moins ce que si tu prends les produits et ton corps ne réagit pas avec ça, ça c'est une chose. Mais il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. 70 rue de Marcadé, juste à côté de Biage. Il y a produit. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatouza Sinikoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Alors bonjour à vous qui nous suivez en ce moment et bonsoir à vous qui nous suivez le soir bien sûr. Merci de votre confiance parce que vous êtes toujours là branché entre de suivre www.congofrance.com avec le grand boss Josué Didi Dipumba toujours là pour vous servir et avec Sarah Ramazan Lachanel toujours là encore pour vous servir. Alors l'émission d'aujourd'hui, je reçois une chanteuse. En tout cas, moi, je l'apprécie parce que j'apprécie beaucoup sa voix. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir en pleine émission. Elle s'appelle Sarah Kaloumé. Elle va se présenter encore parce qu'il y en a plein aussi en Europe qui ne te connaissent pas. Hein? Voilà, tu vas te présenter un tout petit peu. Tu vas expliquer un tout petit peu le parcours que tu as fait au Congo avec les super Vodacom Superstar. Ok, bonjour, bonsoir. Pour ceux qui nous suivent la journée et le soir, moi c'est la Queen Sarah Kaloumé. Je suis gagnante d'un show télévisé Vodacom Superstar 2011. Et aujourd'hui je fais carrière, donc voilà, je suis la superstar d'IRC quoi. Donc voilà Sarah Kaloumé, c'était en 2011. Toi c'était après Innocence, c'est ça? Oui, c'était après Innocence B. Bon, on veut un peu savoir, parce que tu as disparu, tu as complètement disparu, ça fait un bout de temps. Et c'était dû à quoi? C'était dû au contrat. Après le gain, tu dois signer un contrat de 5 ans. Alors je devais respecter, je n'avais pas le droit de sortir mes propres trucs et tout. Maintenant là, j'ai arrêté avec Aconic. Voilà, je suis là, je peux faire maintenant ce que je veux. Et quand tu avais accepté, tu ne savais pas que ils avaient dit ça, qu'après 5 ans, tu aurais le droit de faire ce que tu veux. Tu ne savais pas. Tu as découvert ça après. Non, comment ça a découvert ça après? J'ai dit j'étais sous contrat, je savais. C'est écrit, non? Quand tu t'inscris dans le jeu, on vous dit le gagnant ou la gagnante aura un contrat de 5 ans. Et ceux qui ne gagnent pas auront un contrat de 2 ans. C'est écrit, tout est écrit, on ne nous surprend pas. Alors comme moi je suis toujours réglo, je respecte mes contrats, je devais respecter ça. J'ai respecté maintenant 5 ans passés là, maintenant je travaille en solo quoi. Tu peux un peu nous aider avec la chanson que tu avais chantée avec Akon, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, un petit truc là. Turn me on, like a light switch. Et puis j'espère que vous aurez l'occasion de suivre le clip à travers cette émission et un autre clip aussi que j'ai sorti en solo quoi. Merci. Et maintenant qui est derrière toi en ce moment? Parce que tu sors un album, non, c'est ça? Oui, je le sors par single, par chanson. Je m'autoproduis, je fais mes trucs toute seule pour l'instant, je suis pas de producteur. C'est dur hein, d'être une grande. Bon, de marquer un peu ses traces au Congo en tant que chanteuse, c'est très dur. Oui, c'est très dur, mais nous, on a eu la facilité de passer dans un show télévisé. C'est grâce à ça que les gens nous connaissent. Mais si tu dois commencer comme ça, toute seule, c'est très dur. Mais nous, on a quand même cette facilité-là. On nous connaît, on me connaît déjà. Donc, du coup, quand je sors un truc, les gens attendent ce que je veux faire et ça passe.
Mais c'est dur en tout cas. Même là, c'est pas facile. Même si je m'autoproduis, mais c'est pas facile. Les clips et tout. Et les chansons, c'est toi-même qui écris ou quoi? Oui, parfois c'est moi, mais je travaille avec une équipe, des compositeurs, j'ai des arrangeurs. Je travaille avec toute une équipe, je suis pas toute seule. Je t'avais suivi la dernière fois à l'émission, tu as dit que tu travailles que avec les garçons. Oui, je travaille qu'avec les hommes, bizarrement. Voilà, c'est cool, c'est rapide et c'est bien. Ils font très bien leur travail. Ouais, ils font bien, ils sont là pour leur queen, donc c'est rapide et c'est du bon boulot, je vous jure. Tu sais que dans le marché, il y a plein de filles aussi, hein. Il y a plein de chanteuses qui sont sorties. Tu veux te démarquer de quelle façon parmi toutes ces chanteuses qui sont sorties? Parce que tu dois venir avec une nouvelle touche. Hein, pour te faire remarquer aussi. Donc, bon, c'est comme ça, hein. Tous les jours, il y a des chanteurs, des chanteuses qui naissent, donc c'est pas du nouveau. Kando Lobby, maintenant là, j'ai commencé avec ma carrière solo. C'est clair que je vais emmener une touche de moi, une touche de Sarah. C'est déjà bien, je partageais des moments avec mes fans. Après 5 ans, j'étais à la Fikine le 19 et le 20, c'était la sortie de mon single. Le 21, j'ai encore joué. C'est bien. Donc attendez seulement, vous allez voir, vous allez découvrir ce que je vais présenter. Je viendrai avec quoi exactement. Donc c'est ça qui est clair. Maintenant là, tu es revenu en force. Tu es maintenant trop keen, alors tu vas pas te déplacer encore. Tu vas te donner plus sur ton album. Oui, je m'occupe de mon album, mais je ne suis pas trop keen. Je fais une musique africaine. Ça veut dire quoi, une musique africaine? Que tous les pays africains s'y retrouvent. Donc, ma musique, elle est internationale. Je travaille sur ça, mais c'est vrai que je ne peux pas rester tout le temps à keen. Je dois être partout en même temps. Donc, voilà quoi, c'est ça. Donc, je suis entre Katanga et Kinshasa. Et la chanson que tu viens de sortir, le single que tu viens de sortir avec, comment il s'appelle le gars? Oliver Mann. Osakananga. Yeah, c'est ça, Osakananga. Toti, non, moi, anglais, belé, tout y est ce qu'on a, na kimboka, quoi. Mais c'est une bonne touche, hein. J'ai suivi le clip, la chanson, le rythme et tout. Je sais pas, tu as copié qui ou tu es fan de qui? Tu as copié qui, je sais pas. Je te voyais plus, je te vois comme, dans le clip, je te vois comme Yemi Alade. Ah ok, ouais, parce qu'elle fait de la bonne musique et c'est un truc africain que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, j'ai aussi elle m'a beaucoup inspirée, je me suis inspirée, pour dire vrai, je me suis aussi inspirée de ce qu'elle fait. Mais déjà à la base, quand on écoute la musique, c'est vrai que les gens se disent ah ouais, t'as chanté différemment, parce que moi je suis trop performance, je fais des montées énormes, je fais des trucs voilà quoi. Mais après j'ai voulu un peu m'amuser. C'est une comédie musicale que j'ai fait avec Oliver Mann, d'ailleurs que je salue en passant. C'est une comédie musicale. Moi, c'est normal, boss, on a une dispute entre couples. Donc voilà quoi, c'est ça. Non, mais c'est bien parce que il y a pas d'être médecin, tout le monde met la musique, même si trop de bêtises et tout. C'est quand même une leçon à tirer. Ouais, il y a des gens qui se retrouvent par rapport à ça. Ce sont des réalités que tout le monde vit en ce moment. Ce sont des réalités. Moi, je change des trucs que les gens vivent. Après, Sakalanga, il y aura des titres comme ça. Il n'y aura pas de bêtises. Non, il n'y a pas de bêtises. Pourquoi dire des bêtises? Il y aura des thèmes comme Zalayo, Keba, Likambo Niveau. Il y a plein de trucs. Je choisis des thèmes faciles à comprendre. Il y aura des Djambo. Il y aura beaucoup de choses. Tu vas chanter une chanson en Swahili, non? Oui, c'est dans le projet. C'est dans le projet. Je dois chanter aussi une chanson en Swahili pour l'Afrique. Moi, la Londres à solo, ça a fait aussi plaisir à ma mère Miline Zembana Londres dans le motema Tous Pepe Lambeto, le couple le plus parfait de Londres, hein, ma parrain, quoi, donc à la Mingité. Donc, Sarah, bah, t'as les clips, mais il faut du live. Donc, tu vas nous chanter un tout petit peu au Sakanangai. Va comprendre que ça, l'arrangement dans le studio, c'est ta voix. Tu comprends? Ah. Il faut qu'elle live. Donc, va comprendre que. Il faut qu'elle live. Est-ce que mon taureau, c'est un studio? Ah! On sait jamais, mais t'es belle, mais y'a ma voix est bouée. Oui. Tu sais, dans le studio, la voix qui sort, mais quand il est sur le podium, il n'arrive pas. Hein. Voix, les obis, mango sous terre. Ok. Lé, Lelelelelelele, Osakanananga, yo, Osakanananga, hey, Osa, Osakanananga, Keba. Voilà, c'est ça. Donc, Nabi Kebou Sepeli na clip, il y a des gars, donc il y a logique, tout travail kaka. Pourquoi nous sommes dans nos élèves, le lobby en hôtel?
la parole, Wana. Oh, bon, ma voix, n'a rien à vivre. Grande, mon bobe, au commissanga, bolole, ole kawa, au zongawa. Vraiment, nazo kokate. Sara, nazo kamwa yo. Jamais on dit manga. Mais soki olembi. Yo mokonde okoye bango. Libalango bololo. Eko misanga ekeko. Pasiele ki bandeko. Sia. Nazongi chebisa. Yeah. Elsio lenga la kamati. Na kanisia sepe litala raya. Lela chan au fort. Sexuela. Komoni sexuela. Wow. Je te jure. La petite amie Boakai. Donc voilà, tu as encore une autre chanson. Oh, Naebi Gena, imitez-moi avant Goukaka. Avant Goukaka. Pour Naebi Gena, tu as pour toi, tu as dit que tu es belle. Moi, belle. Bon, où est-ce que tu as là? Yo ma copa, big mama Africa, nzoto ya mado miningande ngoza. Yo ma chérie, pardon tika basoni na yo, nzoto mikeno miningande ngoza. Yo za loko langai, bata ifanda. Loketo guitar miningande ngoza. Zalayo maman. Zalayo maman. Zalayo, yeah. Nana zalangai. Donc ta guitare. Ce sont des thèmes moboé que j'exploite éducatifs. Moni lelo, les gens. Bah moi ça va chirurgie. Au moins on doit changer le gâteau 1000 fois. Apparence n'est pas là. Donc c'est ça. Nzambe yaza zobate tanga kelio. Bon. Quand bien mais bongi maman. Donc il y a tellement de belles chansons que bah fan nanga bah on va redécouvrir dans les alara après 2 mois. Après même sous 1 mois on a lancé. Donc ça sera bien. Ça sera vraiment disponible partout. Tu n'as pas tracé au leka et au leka pour. Bon, la chanson là au sakananga c'est sur YouTube. Non, c'est pas encore sur YouTube. En fait, pour l'instant, je vais d'abord relancer Light Switch avec un compte sur Trace parce que. Faire le remix ou le même clip non, le même clip, c'est un très beau clip, c'est un magnifique clip. Donc, ceux qui sont vraiment dans le pays organisé, en principe, dans aucun cas, ils ont un meilleur clip. Moi, ils ont pris moi, bon, mais comme. Bon, on a vu ça, mais bon, je passe. Light Switch, c'est ok, na trace, Kalate, Oleka, c'est déjà en train de faire ça. Après je vais maintenant lancer au Sakananga mais à niveau national Batou faut pas l'anda au Sakananga Galatée au Leka déjà la bande émission et puis je passe aussi chez toi donc merci aussi de m'avoir reçu c'est très gentil donc voilà quoi tu verras vraiment le résultat sur www.congofrance.com parce que en tout cas on a évité tout un souci à musique Nabisso surtout nous parce que série à Bassi ma Pongo Love Banane série Nabango vraiment c'était vraiment magnifique mais on trouve que ces derniers temps les filles moi Molembou c'est toujours maintenant c'est les garçons les hommes Banana na peuple Nabisso ce Bassi on dirait qu'est-ce qui se passe marché marché des oyate tonde. Bon, on a évité, je ne sais pas comment comparer, ce qui est sûr que à l'époque, Namisou, c'est dur, mais c'est vrai, maman Pongo, maman Betty, on a évité Ndenge Zalaki, mais on ne peut pas aussi dire que c'est facile, pour tout le monde, on a la TV, il y a des difficultés à nous rencontrer et tout. Donc, ils ont encore bon, faut tenir bon. Si tu en rêves à réaliser, plutôt, ils ont la preuve, ils ont tout, on dit superstar, et belé, bah, katanit, bah, changer ma métier, mais mouké. Tous ont compté en tout cas auto continuer donc c'est dur. C'est quoi en fait la persévérance en fait et aimer aussi son travail. Ouais il faut aimer quand tu aimes un truc. À toi changer métier on peut n'appeler pas si soit l'inga et l'autre faut bunda na encore être faut bunda s'imposer quoi donc moi en tout cas je lâche pas je suis désolée je sais que faire ça c'est pas que n'attend une chic t'es je suis économiste on attend un rap un chic je viens d'une bonne famille. Bien éduqué, mais j'ai un rêve où il faut la réaliser. Donc il faut la salango. Grâce à Bato, baro soutenir Kande Zalara. Si tu fais du bon boulot, baro soutenir yo. Donc moi je continue, je fais mes tafs, je fais mes bails vite fait. Et puis voilà quoi. Nabi ke Bato Bébé, là, dans ce moment, nana ba deux Italiennes, nana ba na Maraviglia, Debi, na Vanessa, dans Namito et Dega. Bon, ça la promotion à SK Kuna, nan denga, mais logique. Et que Félix est calaté tout le monde.
Donc voilà, Sarah, si tu dois dire merci un tout petit peu à parcours, non, tu dois dire merci à deux personnes qui t'ont beaucoup soutenu. C'est qui? À deux personnes seulement. Même trois alors. Depuis que j'ai commencé, je dirais d'abord merci à mon Dieu. C'est... Je dirais merci à mon Dieu parce que c'est lui qui touchait les cœurs de toutes ces personnes-là. Même pour continuer pour Sungangatilelo, parce qu'il y a quand même des gens qui me soutiennent aussi. Et ma famille, mes amis, surtout ma famille, hein, surtout ma famille, donc c'est pas possible. Mais tu as accepté ça facilement? Je te jure, non. Avant, avec mon père, c'était compliqué, mais quand j'ai montré mes preuves dans Superstar, il a accepté. Mes parents, ma mère, mon père Benjamin Kaloumé, qui était mon manager au départ, et ma mère Virginie, et ainsi que toute ma famille, mes oncles. En tout cas, c'est à eux que je dois ça, quoi. Je continue encore, ils continuent toujours à me soutenir, c'est magnifique. Et quand les gens disent que musique est un monakis, toi tu réponds quoi à ça? Bon, moi je réponds que c'est faux parce que moi je viens de Kolwezi, hein. Il faut mettre un autour côté que nous mona. Kolwezi c'est une ville morboé. Tozalara na ba cobalt. Ba minéré richesse et belé. Imaginez ce que nga na uta kuna. Donc espoir que la musique est à route. Tant ba zo nga kuna na futi bus na nga ta kwa til Lubumbashi va retenir nga. J'étais la première personne à être retenue na ba tozaka belé na simba ki citain na yo yawa. Vous avez écouté 24 candidats, puis na Betty, bah on a des dégâts grâce à Nzambe, na que États-Unis, bah le barou dit que oh, bah qui si oh Illuminati, ok, mais je suis allée là-bas, j'ai fait mon show, j'ai fait ma chanson et bah je concours et bandit, la seule personne au bas salé na clip, na qu'on voyage deux fois États-Unis et ma mère belle na simbi qui c'était, je continue comme ça et ça va marcher. Pourquoi les gens aiment limiter Dieu? On limite pas Dieu, faut l'accepter, il est là. Raison, contrôle de tout quoi. Donc moi je marche avec la musique profonde. Oui, il marche avec lui, il est là, lui, c'est un monsieur jaloux. Je sais pas si je veux le dire monsieur, mais c'est un gars jaloux quoi. En tout cas, so benga oyanae, so ro invoke na mutu otiki maramna, il est là. En tout cas, pour moi, il est toujours là. Moi, dans tout ce que je fais, quand je réalise, je rencontre des difficultés à des gars, mais tellement que je fais appel à lui, il est toujours là et ça se passe super bien quoi. Donc voilà quoi, et tamolano kakanaki cité. Voilà, merci beaucoup Sarah Kaloumé. La évité, tolobele souni. Si tu as un truc à rajouter par rapport à toi-même, après on va clôturer l'émission. Bon, aux fans aussi, parce qu'il y a plein de gens qui t'ont suivi. Hein. Oui, mais je m'adresse qu'aux fans. Bon, Sarah est là, je suis présentement à Kinshasa. Je suis en train de recruter les chanteurs, les danseurs, les musiciens. Je recrute donc tout à l'heure je vais signaler sur internet où sera les recrutements, où se feront le casting et tout. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire, mais à la limite à la fin je passerai le numéro de contact pour contacter le bureau de Sarah pour une production ou quoi que ce soit, seulement pour le boulot et pour le... On m'a dit aussi que tu chantes aussi dans des fêtes de mariage, on t'invite. Bon, j'ai jamais chanté dans des fêtes, dans des mariages, mais si on a besoin de moi dans une fête, dans un mariage, il n'y a pas de problème, je suis là. Justement, après, je passerai un numéro pour tout contact, en tout cas. Deux questions qui me restent. Ton idole, c'est qui? Bon, j'ai pas vraiment trop d'idoles, mais j'ai beaucoup de modèles que je suis ici chez nous. J'écoute beaucoup de musique ancienne, Maman Betty, Pongo et Tietri, Maman Chalamwana et Miliabel qui sont d'ailleurs en vie. Et comme c'est une musique urbaine que je fais, je mélange. J'écoute du Lady Gaga, du Beyoncé, du Rihanna, du Adele, Jessie J, Nathalie Makoma aussi. Donc j'ai fait un peu ce mélange, je m'inspire beaucoup, beaucoup. Donc j'ai pas genre un modèle, genre c'est elle ou c'est lui, non. Sarah Kaloumé est fiancée, mariée ou célibataire? C'est vrai que cette question a été faite. Oui, c'est normal, je suis une femme qu'on pose ce genre de questions. Non, je suis pas fiancée, je suis pas mariée.
et je ne suis pas aussi occupée, mais je suis tellement super occupée par la musique. La musique me prend beaucoup de temps. Imagine quand je me lève le matin, déjà sur mon lit, je commence à travailler, je reçois des rapports de mon agent, de mon équipe. Donc, je suis vraiment la queen, quoi. Ça me prend beaucoup de temps. Je me demande si vraiment, pour l'instant, j'aurai vraiment le temps de m'occuper de ça, quoi. Donc, voilà. Je suis pas occupée. Pas occupée. Donc, voilà. Si tu dois faire un featuring avec une star de notre pays, ça pourrait être qui? Bon, tout le monde, hein? Tout le monde, en tout cas, vu que ce sont aussi des stars, ça dépendra de leur emploi du temps. Tout le monde, en tout cas, si il faut... Si... Ça t'est jamais arrivé, ça t'est jamais traversé la tête? Si, ça m'est déjà arrivé, justement, j'ai parlé de temps, je sais pourquoi je parlais de temps. Souvent, ils n'ont pas trop plus de temps et tout, mais il y aura de collaboration, il y aura de collaboration, rien ne presse, rien ne presse. Donc voilà, merci beaucoup à vous qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Sarah Kamel va donner son numéro et les salams comme ça se passe toujours. Ouais, je donne d'abord mon numéro, c'est le 081 51 40 403. 81 donc plus 243 81 51 40 403. Voilà, la piste Sambo Telanga, na équipe Nanga, Luc Ambrosio, mon agent. Je salue Mike Kaloumé, Hervé Kaloumé, Magali Kaloumé et l'agence qui s'occupe de l'image de Sarah, Horizon Picture, Christelle Malouba, ma soeur chérie, Blessing, la diva, Michel Mutombo et ma grande soeur Solange, Elsie Sexuela et le PDG Saïdi. Et tous mes amis, je vous aime énormément, Daniel Marie, et je salue aussi ma collabo Anita Marabou, ma collabo de tous les jours. Yeah, c'est aussi une chanteuse, une superbe chanteuse. Donc voilà, donc je vous aime énormément et voilà, j'encourage à tous les jeunes de poursuivre leurs rêves et je lance ma fondation bientôt, Save My Talent. Je vais sauver tous les talents. Avec le peu de moyens que j'ai, je sauverai des talents. De la même façon, de la même manière, on a sauvé le mien de Colosie jusqu'ici. C'est une fondation magnifique. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez appeler à ces numéros et on va discuter. Il y a des gens qu'il faut, il y a des talents à sauver. Pas seulement dans la musique, dans tout le domaine des footballeurs, il y a des basketteurs. Il y a vraiment beaucoup de jeunes, des enfants qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller à l'école, mais ils ont des dents comme ça. Ils peuvent te créer, ils peuvent te faire un truc fou, quoi. Donc, c'est une fondation magnifique. Voilà, donc, je vous aime et je vous remercie. Je te remercie aussi. Non, mais pas. Je sais que tu es déjà sur Congo France. Donc, on aura besoin de toi, tu seras toujours là pour nous. Ouais, je serai toujours là. Et puis, tu as mon numéro personnel, donc je serai là. C'est ça le plus important. Donc voilà, on va se lever. Je sais que je veux dire quelques salams aussi à moi aussi. On va terminer avec toi, avec Osaka Nango, hein, en live avec Molouquet. Donc je remercie tous les fans de Congo France qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Mon boss d'abord, Josué Lili Dipumba, toujours là pour servir. Je fais un petit coucou à Raphaël l'homme. Hein, Raphaël. Nous, on vous comprend un caca. Donc, je reste ma belle le moteur de recherche le plus rapide. Maman Milinze, ma moutée ma tous pépé l'ambeto, le foster, ma barré na kata rota, nyota, moutée ma Laurent na kata Rotterdam. Maman Lolo, Loris, la Congoli, a beauté à 20 ans na kata Château Rouge, donc maman Pena, hein? Déjà. Yannick Patrao, le patron de leur patron. Donc voilà, je laisse le micro à Sarah Kaloumé. Et je remercie, oh Jobi, Nina Bossana. Mon artiste, Mobala Mouin, dans une cima caméra pour nous voir l'image qui toko boe. Tracy Pro, la même magie. Oh, c'est qui? Voilà. Tracy Pro, la même magie. Il y a un montage, puis il y a un article à Sarah Micro à Sakanango. Et ça. En tout cas, Nina Bossana. C'est la lauréate, n'a besoin de parler Rebecca, donc ah bah salam nayo, continue bon autant au coma à l'université, panza bango quoi. Osaka nananga ngande mobobe okomisanga bolole olekawa ozongawa vraiment nazoko kate sara nazoka moyo jamais on dit manga mais soko lembi yo makonde okoyeba libalango bololo ekomisanga ekeko pasiele ki bandeko sia nazonge chebisa
Osaka nananga. Yo, voilà, c'était Osaka nananga. Merci. Mes fans, je vous aime, je vous adore, je vous kiffe. Talarabino. Merci beaucoup. Congo France. Nous sommes là, nous. France.com. Site, il y a tout le monde à cela, danger, à cela du temps.